Madame la team, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir nos chers voisins allemands. Yavol! Julien, qui a commencé à s'entraîner assez récemment en Allemagne, m'a dit MB, là j'ai un joueur. Il a une frappe, mais il a une frappe, t'as peur. J'ai dit ok, schnell, come here. Du coup, on est avec mon gars Arim, c'est un joueur bilingue. Et heureusement que c'est un joueur bilingue. On aurait entendu des Yavol, des schnell, des. Marvette. Voilà, Marvette, je sais pas ça veut dire quoi. Présente-toi en allemand. Also, ich bin ein scheiß normal, hallo Makaya. Et je suis un complète Deutscher, donc deutsche nationalité et tout, mais je vais en Frankreich. Ok, strike, je sais pas ça dire quoi. Par contre, ce sera que des frappes, enfin des exercices face au but. En tout cas, moi j'ai envie de voir de près aujourd'hui ce qu'il vaut au niveau des frappes. La pression? Non, jamais la pression. Non, hein. J'ai l'habitude de la pression. Ouais, il a l'habitude. Ouais. Je pense que ça sert à rien de beaucoup parler, je défie le meilleur tireur d'Allemagne. C'est tout de suite maintenant, c'est parti, let's go. Donc là, on va commencer avec le TS Übung. Voilà, premier exercice pour traduire pour ceux qui ne connaissent pas l'allemand. Donc là, c'est un exercice classique, on commence petit à petit, mais ça va envoyer des grosses bastos, des gros bangers. C'est parti, premier exercice, let's go. Petite précision, mais très importante. Monsieur Arim, ici présent, est un joueur. Ambidex. C'est ça, ambidex. Pied gauche, pied droit. Je récapitule, première, elle touche la barre, deuxième, pied gauche, elle touche la barre. Première vague pour monsieur Arim, un but, deux barres. Donc ça annonce déjà la couleur, ça annonce déjà qu'il va envoyer des grosses bastos, des grosses schnell, des grosses spitz. La première, le temps de chauffe, le temps de calibrer, et après je pense que ça va. Ah, il a cru que j'allais tirer à gauche, il ne faut pas anticiper. Moi personnellement, à aucune frappe d'Arim, je mets la main. Arim, il a trop. Bon, les refs, là, il a marqué, si je dis pas de bêtises, un but. Donc, on a 2-2. Là, l'objectif, c'est de mettre le paquet. Histoire que je prends vraiment l'avance, parce que je sais qu'il va me rattraper, je sais, 100% qu'il va me rattraper. Ah, je peux rien faire. Effectivement, tu peux rien faire. Il avait la réaction de la première, il a dit la deuxième. De dritte Waage. Okay. Also ja. Dritte Welle, eher gesagt. Und es steht jetzt gerade 4-2 für ihn. Und ich muss auch 2 Tore einholen. Okay, j'espère que vous avez tout compris parce que je vais pas le traduire. Ouais, la pression, elle était présente, mais elle a mal été gérée. Dernière vague pour Arim. Eins. Oh.
Là, il y a 9-5. Sur les 5 frappes, il faut que j'en mette 4. Donc là, je dois pas chercher les beaux buts, juste, je dois marquer. Hop. Comme. Comme par hasard, la première frappe trappe au sol. C'est fini pour moi, j'ai fait n'importe quoi. Il partait à gauche, il a juste à bien la placer. Perfect. Il est pas contre Julien, tu vois. Il peut, hein. Oh, il a mal aussi, tu vois. Pour ce premier défi, il a gagné. Arim à 9-7, si je dis pas de bêtises. 9-7, j'ai pas pu malheureusement rattraper le retard. Donc là, on va enchaîner tout de suite avec le deuxième exercice, tout nouveau exercice sur la chaîne. Et je pense que ça va vous plaire. C'est un exercice, voilà, je vais l'appeler le 5. Pourquoi le 5? Parce qu'il y aura 5 angles de frappe différentes. On va commencer tout d'abord à droite et après, on va faire comme l'horloge. On va aller tout à gauche. Et on va commencer avec Monsieur Arim. Tu commences? C'est parti? Let's go. Je savais! Et je savais surtout qu'il allait tirer au sol. Ah, il a peur, Julien, il a peur. Vas-y, putain, cette frappe là. Donc là, on va enchaîner tout de suite avec le deuxième angle qui sera environ à 75 degrés, voilà, approximativement, parce que voilà, on n'est pas des matheux. Bref, c'est parti le deuxième. Voilà, voilà, félicitations. Félicitations, merci monsieur. Merci monsieur. C'est dans la charte de la chaîne, chaque invité est dans l'obligation de viser le trépied. Voilà. Et merci monsieur, vous l'avez atteint. Vous avez atteint l'objectif et il n'y a pas de trophée, mais ça va venir bientôt. Est-ce que ça va? Respirez monsieur. Coucou. Non mais arrête. Mais c'est pas possible. Das heißt Torwartfehler. Julien. Aïe 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 aïe. Den hat er gepflückt. Vous derrière vos écrans, vous pensez que c'est une frappe simple, mais croyez-moi que la puissance qu'il met dessus, c'est limite. Donc là, il y a 5-3 pour la première vague. On va refaire la même chose, mais de l'autre sens cette fois-ci. Et après, on va déterminer qui, de Arim ou de moi, va remporter ce deuxième défi. Yes! Oui! J'ai pas les mots, Julien. Merci, Julien. Bravo. Que ce soit petite gêne, adducteur, jambe, escabeau, je sais pas quoi, mais Julien, il est... Vite, vite! Moi j'ai pris l'avantage, les gars. Avantage, 6-5. Tu m'as raté! Merci pour la phrase, hein. Ça m'a motivé. Tu m'as raté! Simple, efficace. Frère, les gars. Colle à toi. Mais non, arrêtez. Colle à toi. Ah,
Prends l'avantage, 8-7. Non frère, arrête. Malheureusement j'ai raté pour moi. La deuxième n'est pas passée loin. Du coup on va faire une séance de mort subite. Le premier qui arrive à marquer enfin. Celui qui rate, finito pour le saut. Voilà, c'est parti. Mais là il a failli casser le nez de Julien les gars. D'autres d'argent, qu'est-ce qui se passe? Je la mets, on continue. Je la rate, c'est fini. Qu'est-ce qu'il a? De ça, mais c'est ça qui fait la différence. Ouais, voilà, là il peut faire la célébration. Donc remporté pour Monsieur Harim, le deuxième, hein, de justesse. On va enchaîner tout de suite avec le tout dernier. Et pour l'honneur, juste pour l'honneur au moins. Même si ça va s'annoncer encore plus dur. Après, il faut souligner aussi au niveau de Julien, c'est qu'il a la petite gêne au niveau de l'adducteur, malheureusement. Au cours de la vidéo, il s'est un peu fait mal. Donc ça joue aussi au niveau des buts, des frappes. Mais voilà, on fait avec. On va enchaîner tout de suite avec le dernier. C'est parti, let's go. Le dernier, sans toi. Ah les gars, je déteste ces frappes, j'ai droit de réponse. Parce que je tire en deuxième. Perfect. On applaudit l'allemand. Vielen Dank. Parce qu'il a quand même fait 50 km pour venir ici. Il est pas venu pour rien, tu vois. Ça, c'est ce que l'autre. Voilà, merci. On arrive bientôt à 20K les gars. On a 18 000 et quelques, je pense. Faut pousser, les gars. Voilà, pousser, franchement, là, donnez-moi votre force. Voilà, abonnez-vous. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la notification. Ça vous permettra d'être averti quand les vidéos vont sortir. Je vais mettre aussi l'Instagram de Monsieur Harim en description. Celui de Julien, je crois que je l'ai jamais mis, frère. Ouais. Voilà, je l'ai jamais mis. Je vais mettre en description aussi de celui de Julien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, on se dit à la prochaine fois sur la famille.